when fall comes around, we all go to town for a hayride hold down. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on a décidé de vous faire un vidéo d'Halloween. En fait, Vince m'a trouvé les petits bonhommes bons, puis moi j'ai trouvé un quiz d'Halloween. D'Halloween! qu'on pourrait faire en même temps, faut qu'on décide de combiner ça aujourd'hui, évidemment avec Madame Bonheur que vous connaissez pour sûr, et Super Vince! On s'est fait un sleepover d'Halloween hier, on a écouté plein de films d'Halloween. Full bon! Puis là, on a décidé qu'on filmait des vidéos d'Halloween, parce que c'est Halloween. Je peux te dire Halloween plus souvent dans une vidéo d'Halloween? Halloween! Ok, fait qu'on commence. Fait que dans le fond, ça, c'est, si vous voulez le trouver, c'est au Target, ouais. C'est genre, c'est ça. C'est des petits monstres. C'est vraiment cool! Comment ça s'appelle? Créature en mousse à fabriquer. Yeah! Ça sent pas bon! C'est non pas que ça! Ah, c'est vrai que ça pue! C'est vous qui sentez mauvais. Ouais, toi, tu pues. On peut en faire tant que le quiz marche. Go! Go! Ok, fait que dans le fond, j'ai pas fait un quiz par personne, j'ai trouvé un quiz sur VAC TV, je trouve ça le fun parce que vous pouvez tout le monde aller le faire aussi. Je vais mettre le lien évidemment dans la bande d'infos. Puis je me suis dit, on va tester notre knowledge, notre connaissance en gang, pas juste comme par personne, parce que c'est comme une même. C'est un travail d'équipe. Fait que chaque année, le 31 octobre, des millions de petits monstres déambulent dans les rues de nombreux pays. Par contre, quel pays ne célébrerait pas l'Halloween? Lequel parmi ces pays fait partie de ceux qui boudent cette fête? Australie, le Brésil ou l'Irlande? L'Irlande. Le Brésil. J'aurais dit l'Australie, non, c'est... Le Brésil? Je sais pas. Mais le Brésil. Je pense le Brésil. Est-ce que c'est correct si on prend le Brésil? Ben, prenez vos réponses, je prends les miennes. Mais non, c'est ça, j'ai expliqué. On le fait en gang. J'aime pas ça, les trop d'équipe. On le sait, ça. Ah, Brésil, okay. Ok, ouais. Ok. La citrouille est certainement très in dans le temps d'Halloween. Pourtant, au départ, c'était un tout autre légume qui était associé à cette fête. Le navet, la betterave ou la pomme de terre? Pomme de terre. Pomme de terre. Moi, j'ai vu d'autres quiz, fait que je pense que je sais c'est quoi à cause que j'ai vu d'autres quiz, mais c'est comme si je trichais, fait que je peux pas le dire. Ça doit être un navet. Ouais. Navet, je l'ai vu dans un autre quiz. J'ai vu betterave aussi. Ben, je sais que c'est pomme de terre. Je sais que c'est pas pomme de terre. Ok, vous avez dit les deux pommes de terre? Je sais pas avec quelqu'un. D'où vient le célèbre conte Dracula? Roumanie. Non, Transylvanie. Il y a Roumanie, voilà. Allemagne qui est Russie. Ah, je fais des petits yeux sur moi aussi, je fais des petits yeux par-dessus. Vous dites Russie, Allemagne ou Roumanie? Roumanie. À part l'orange et le noir, quelle autre couleur associe-t-on à nos jours, de nos jours à l'Halloween? Le mauve. Oui. Mauve. Sinon, il y a jaune et marron. Marron. Mais bon. Personne ne sait. Avez-vous d'autres stickers, d'autres collants? Collants. Oui, c'est toi qui as ça. Les collants pour les yeux. Tiens, darling, sugar love. Merci. Est-ce que vous savez ce que vous faites? Un hibou. Une tête de mort. Ah, il est cool! Ok, vous en faites juste un. Ah, il faut l'autre! Ok, pour commencer. Non, moi j'en fais plein. D'après toi, quelle est la friandise préférée des enfants du monde entier? Le chocolat, les jujubes ou la gomme à mâcher? Chocolat. 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 Moi j'aurais pensé des jujubes. Au Canada, puisqu'il était normalement noir à l'extérieur, quand vient le temps de parcourir les rues dans la traditionnelle cueillette de bonbons d'Halloween, la sécurité est de mise. À Churchill, au Manitoba, ce ne sont pas les voitures qui inquiètent les parents, mais plutôt la présence d'un animal, du renard, du caribou ou de l'ours polaire. L'ours polaire. Churchill, caribou, c'est pas dangereux. Renard non plus. L'ours polaire, ça peut être c'est un peu bizarre, l'ours polaire. Mais à Churchill, au Manitoba. Manitoba, ben là, c'est pas si froid que ça. Non? Moi, je pense que c'est le renard. Le renard? Ok. Toi, tu dis quoi, Vin? Vous dites le renard, les deux? Ouais. Selon la légende, pourquoi les sorcières portaient un chapeau pointu? Afin de capter les énergies magiques provenant du ciel, pour rendre la tâche la plus difficile aux oiseaux de se percher sur leur tête, parce que cette forme de chapeau a moins tendance à s'envoler facilement quand les sorcières parcourent le ciel sur leur balai. Moi, je dis afin de capter les énergies magiques. J'ai aucune idée! Bonne question, sais-tu? I put a spell on you. De quoi ça? Sept. Ah, les oiseaux! Les oiseaux? Toi, tu dis quoi? Les noyaux. Les captés. Ah, parce captés? Que la forme de chapeau, là, je veux dire, il y a un gros rebord, fait que ça va partir vraiment pareil. Pour pas que les oiseaux fassent quelque chose. Tu dis capter les énergies magiques. Je pense que je vais dire ça moi aussi. En parlant de légende, de quelle célèbre légende est issue la citrouille? Jack O'Lantern. Ah, mais c'est qui, Jack la lanterne? Ben, c'est le film qui... Non, il existe pas vraiment. le film de Robert... Will? Tim. Tim Burton.
À la base, c'est tout pourquoi on met une chandelle allumée dans notre citrouille découpée devant la maison. Simplement pour indiquer qu'on a des bonbons à offrir aux passants, pour se protéger des mauvais esprits, pour empêcher la citrouille d'avoir froid. Cute! Les mauvais esprits! Ouais. Toi aussi, tu dis ça? Parce que sinon, si t'as une citrouille devant chez toi, clairement, tu veux comme que les enfants viennent chez vous. Ouais. Non. Des enfants, ok. T'es tellement gentil. Tu gardes des bonbons pour toi. Bonne idée. Puis tu donnes ceux que t'aimes pas aux enfants. Il y a cela plusieurs années quand Halloween a fait son apparition au Québec. Comment appelait-on cette fête? Petit indice, la soirée des tours fantômes âmes errantes. Âmes errantes, ouais, je suis sûre. Autrefois, lequel de ces animaux croyait-on se transformer en sorcière au bout de quelques années? Le chat noir, la moufette, la chauve-souris. Chat noir. Ah! Julie! T'as volé toutes mes yeux! C'est pas le bon! Elle est vraiment cool! Moi aussi, je voulais la ramener mauve. Ben, vous l'aurez pas! Elle, c'est la plus belle. Ah, elle est belle! Moi aussi, j'adore, elle est bon, moi! Je vais les garder, moi, ça, dans ma chambre, puis ça va être un souvenir. Non, c'est à moi. Moi, je signe en arrière pour dire que c'est moi. J'ai écrit même dans l'oreille. Mais y par en bas, comme une baboune. Non, elle est heureuse dans l'araignée. Ah! Ah non, c'est là, ça va être beau, c'est mort. Plus. Yeah! Ah! C'est la base, oh, là, on s'entend. Mais c'est un éclair! Mais c'est ça, je voulais faire, mais je sais pas où! Dans ses fesses. Pas immature. Miaou. Miaou! Il est tellement gossant. Bah, t'es gueule. Comme ça, c'est cute. Je sais pas, tout ce que je vais dire, ça va être immature. On t'aime, tu sais. C'est comme ça qu'on t'aime. Non, moi je l'aime pas. Si t'étais mature, moi je m'ennuierais. Là. Je trouvais ça plate. Pas moi. Thumbs up si t'es immature. J'ai envie de donner d'arcade des cheveux. Non, il y a juste genre Vincent qui va aller faire un thumbs up lui-même sur vidéo. Oh non! Il y aura aucun thumbs up. Oh, c'est fou triste. Ok. Je vais poser la dernière. Moi j'en fais un avec une baboune. Je trouve ça full drôle. Une autre petite statistique rigolote en terminant. C'est combien de parents avouent fouillé dans le sac de bonbons de leurs enfants? Question de grignoter un peu une fois que ceux-ci sont au lit après leur épuisante soirée de cueillette de bonbons. 70, 80 ou 90%. Tout 90%. C'est sûr que oui. Si tu fais une bébite avec une baboune, c'est une bébite diabétique. Ok. Parce qu'elle peut pas manger de bonbons. Ou c'est une bébite allergique aux arachides. On a eu 9 sur 12. Voir les réponses. Okay. Le Brésil, c'était bon. Oh non! I was right. Ah non, mais la pomme de terre, c'était pas ça, c'était le navet. Putain, vous auriez dû m'écouter. Tu peux redire la question. Le renard. Je savais. C'est l'ours polaire, la bonne réponse. J'avais la bonne réponse. Non, toi, c'était renard. J'ai juste mis... Moi, je pensais que c'était l'ours polaire, fait que j'ai mis quand vous disiez deux fois la même chose. Ah, elle a fait capter les énergies. C'était ça. On n'a pas eu la soirée des âmes errantes. On l'a eu. C'est la soirée des tours. Les tours? Ouais. C'est les trois qu'on n'a pas eu. Oh! J'ai fait une petite fouille Harry Potter. Oui! C'est une adulte d'avoir l'aimé. Parce qu'elle aime Harry Potter. Non, attends. Check. C'est genre ça. Ah! On dirait vraiment misérable! Elle a des lunes dans les yeux. La vertu, c'est full belle. C'est full belle. Ah, on peut les... Ah, oh, c'est des amis, c'est des hommes sœurs. C'est toi puis moi. Oui! Toi, t'es orange, moi, je suis verte. Ouais. Ok, comment je les... Attends, on va entremêler leurs pattes. Ouais. Ah, oh, c'est des best buds. Comme ça, on va tout entremêler. Nos cheveux frisés. C'est beau. Ah, c'est comme bien. Mike! C'est Mike version étoile. Ah, peux-tu faire une double papoune? Je vais faire une double baboune sur une. L'araignée, elle a deux bouches. Ouais. Elle a six yeux. Elle a pas de bouche. Je peux se mettre des babounes sur les pattes. Tu peux si tu veux. C'est pas drôle. Elle a des gros yeux. Oh, oui, ça va être écœur, hein. Elle a pas l'air sûre. Pas content. Ah, j'ai pas de moustache. Ah, oh, à qui je peux faire une moustache? Michel, il va me dire. Pis, ta journée. Oh, c'était chill. J'ai fait des bonhommes, j'ai fait des biscuits, j'ai fait d'autres biscuits. C'était fou! C'était
C'est fou, oui. Capoté. Capoté. Toi, Vincent, t'aimes-tu ta journée? Mm-hmm. Il a bien hâte de s'en aller, en fait. Non, j'ai hâte de manger les doigts. On va faire. J'ai hâte de manger tes doigts. Oh my god! Mais mon arrière, elle louche full. Je l'aime pareil. Pas moi. C'est moi? C'est moi, moi je louche. C'est hot! Elle en arrive, oh! Je ne le vois vraiment pas. C'est rare que Vincent est calme demain. Oui! Quand je fais du bricolage, je suis calme comme le Christ. C'est beau. On devrait faire des bricolages plus souvent. Ouais! Reconne le bricolage. Du bricolage, c'est speed. Ah, je vais mettre du blush! On a tout pris hier, j'en ai plus. C'est beau, non? Fixe. C'est je sais pas. Vraiment pas. C'est joli. Non, non, je déteste. Ah, une chose que vous savez pas sur moi, je déteste le monde qui siffle. Pour vrai, j'aime ouais. Tellement ça, je trouve ça fait cute. C'est du gosse. Des fois, Michel, il est comme. Je te connais dessus, c'est comme... Ah! C'est full cute le monde qui siffle. Mais je l'aime, là. Je vais pas le divorcer. Ben oui, ben non, c'est clair. Ben là. Pas game. Ben mature. C'est pas game. Ah, j'ai fait 4 bonhommes. Mais mon préféré, c'est l'araignée. Je suis rendu à mon 5e. J'ai fait 2. Tu as un turquoise, là? Je n'ai fait autant que j'ai fait de biscuits en doigts. Jen est très peu. Du blush. Oui! Jen est peu participative aujourd'hui. Mais non, mais c'est parce que je m'applique dans ce que je fais, puis c'est tout beau. Je suis pas convaincue. C'est pas vrai. Mes doigts, c'est les plus beaux, parce qu'on a fait un vidéo sur la chaîne de Julie. On fait des doigts de sorcière. Vous allez voir, j'ai travaillé très, très fort. Puis, sur ta chaîne, on fait. Des biscuits. On mange beaucoup aujourd'hui. D'autres biscuits, mais des biscuits que t'achètes au magasin, tu sais, sont vraiment moins nice, dis-je. Moi, c'est from scratch. Scratch de la... Oh! Hey, faut que je leur mette des cils. Moi, un peu de blanc dans le... Avec du mascara. Toi, je vais te faire tes ongles! Oh my god, ok. Toi, t'es la orange, right? Oui. Puis moi, hein? Toi, t'as pas rapport. Je te mets du vernis. Oh! Ah, oh, ben ça! Ok, je vais le mettre après, oui. Ok? Non, mais c'est moi qui a pas relevé. J'aime tellement ça, le silence. Ah, ouais? Ta-da-da-da! Quand Vincent il parle pas, c'est là. Plate, je trouve. Je veux me concentrer, ça fait des bonnes vidéos. Je parle full pas. Oui! Je savais pas que ça allait être aussi exaltant. Tantôt, j'étais tellement concentrée pendant les questions, ça se peut que j'ai comme pas répondu aux questions. J'étais trop focussée sur mon travail. T'as-tu fini? Non, j'ai pas fini. C'est toujours long quand c'est Vincent. Il prend full son temps en plus. C'est affreux. Genre. Tu as fini? Ouais, j'ai. Yay! Moi, j'en ai juste fait 2. T'en as fait 4. T'es bon? T'es un triste. Oui. Mais c'est parce que toi, tu lisais les questions. Moi, je t'ai concentré. Ouais, c'est pour ça. T'en as fait 8? 5. Quand même. On va vous les montrer de proche. Ok, oui. On va aller les montrer tout de suite. Yeah! Ok, moi j'ai pas fait beaucoup, mais on oh mon dieu, c'est un peu cute! Yeah! Je sais pas trop c'est quoi le rapport avec Claire, mais c'est juste cute. Ça, c'est Julie. Elle a du vernis. Ça, c'est moi. Puis j'ai fait du eyeliner. Puis elle a les yeux tombants, c'est vraiment drôle. Yeah! Puis il y a du blush. Fun cute! Youpi! Elle. Hey. C'est Harry Potter en strouille! Il y a celle-là, c'est une araignée qui fait de la boum parce que moi j'aime pas les araignées. En tout cas, elle est bas! Oui. Elle. Petit hibou. Puis une citrouille à moustache. Parce que ça prenait une citrouille à moustache. Ouais! Puis ils sont autographiés. Oups, c'est quoi, j'en ai pas. Hey, Madame Bonheur! C'est cute de même. Toujours Madame Bonheur. Oh, c'est nous. Ça, c'est la première. Mon préféré, c'est ça. C'est cute! Yeah! C'est la plus belle. J'aime tes descriptions. C'est Mike Modano! Mike Modano? Mike Modano! Oh. Wazowski! Whoops! Mike Modano, c'est le joueur des Stars de Dallas! Numéro 9! Whoops! Wayne Gretzky 3D Hockey! Yes! Mon frère va être fier de moi. T'as pas de description? C'est ça. C'est un hibou. Tu en fais pas attention! Wouh! Pretty! C'est
botché comme description, c'est tabac. C'est n'importe quoi. Tu mettras genre la musique de merde par-dessus, genre juste des bruits de pète. Des bruits de pète par-dessus. Hey. Il t'habite! Miaou. Tu parles comme les vrais chats, là. Miaou. 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 J'espère que vous avez aimé. Envoyez-nous des photos si jamais vous les avez fait. On veut voir le résultat de vos petits monstres. Puis, n'oubliez pas d'aller voir les vidéos de ces chers hollywoodiens. Hollywoodiens. Miaou. Fait qu'on vous parle très bientôt, tout le monde. Bye, joyeux Halloween! Joyeux Halloween! Mangez des bonbons. Bye. Brossez-vous les dents! Oui! Non. Tu vois? C'est la fée des dents. Okay. Non. J'ai un beat à faire. Viens, tu m'es lancé dans. Ben, Mathieu. Non, le noir là-bas, c'est toi qui me l'as lancé. You. Son of a bitch! Son of a bitch! Ok. You son of a bitch! Madame! Il y a plein de charpie là-dedans. Excusez. Ah. Karma. Il y a des ombres qui ont fondu, je les ai laissés trop longtemps. J'aime pas ça quand tu chantes. C'est la personne que j'étais en bas de pyjama. Elle est en bas de pyjama! Yeah! Sûr, je pense que j'ai dit de dire à personne. Ouh! C'est toute une mission.